Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil très hospitalier. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Nous commémorons cette année les 25 ans des enlèvements et disparitions du Beach. Cette affaire est pendante également aux Nations Unies parce que j'ai cru entendre qu'on n'a jamais déposé des plaintes, mais les plaintes sont là. C'est parce que les gens ignorent justement le fonctionnement des Nations Unies. Notre chaîne, qui a la vocation d'assurer la meilleure information sur la promotion et la protection des droits de l'homme, va revenir sur cette question. D'abord, en vous expliquant comment fonctionnent justement les organes des Nations Unies. Le Conseil des droits de l'homme, qui siège à l'Office des Nations Unies, là où il y a justement ce qu'on appelle la broken chair, la chaise cassée, où les gens viennent manifester. Mais ce n'est pas le siège des droits de l'homme. Je veux faire la démonstration. Là-bas, il se tient des grandes réunions, notamment à la porte 40, où il y a plusieurs salles de conférences, parce que les gens travaillent en sous-groupe. Il y a même certaines conférences qui se déroulent là-bas. Alors, je voulais d'abord dire que lorsqu'on ne connaît pas, on demande. Parce que c'est quand même frustrant lorsqu'on sait qu'on est spécialiste de cette question et on a fait une thèse pour ça. Parce que ma thèse de 1986, c'était les États socialistes et la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui est devenue depuis 2006 le Conseil des droits de l'homme, qui est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies, chargé donc de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde, et donc de traiter des situations de violation des droits de l'homme et de formuler des recommandations à leur sujet. Le Conseil des droits de l'homme est en mesure d'examiner toutes les questions et situations en lien avec les droits de l'homme et qui nécessitent son attention. Et ce, tout au long de l'année. Il se réunit, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, à l'Office des Nations Unies à Genève. J'ai été interpellé parce qu'il paraîtrait qu'il y a eu une confusion, il y a quelqu'un qui est allé à Genève pour vérifier et tout, mais en fait il n'a pas vérifié. Parce que si tu es visiteur, tu as un badge, on a écrit V, visiteur, mais tu n'as pas accès. C'est comme quelqu'un qui va visiter aujourd'hui, il va au palais de justice, il va visiter le palais de justice, mais il ne va pas visiter là où il y a des dossiers. On ne va pas lui dire qu'il y a telle plainte qui a été déposée pour tel pays. Et pourtant, les Nations Unies, il y a une transparence. Il suffit tout simplement de taper Conseil des droits de l'homme, Comité des droits de l'homme, d'ailleurs je vais revenir sur ça. Et vous trouverez les documents qui ont été déposés. Comment les États sont interpellés? Le Conseil des droits de l'homme est une commission de l'ONU qui se réunit tous les ans à Genève pendant 6 semaines. Il se compose de 53 États membres. Il tient chaque année en mars et avril, la dernière session qui vient de se terminer vendredi dernier, hein, donc à Genève. Et il y a les 53 États, il y a plus de 3000 représentants d'États membres, d'États observateurs et organisations non gouvernementales qui siègent. C'est pour ça que souvent nous avons des badges, on rentre en tant qu'organisation accréditée, qui a un statut. Donc le Conseil des droits de l'homme est en mesure d'examiner toutes les questions et situations en lien
avec les doigts de l'homme, comme je l'ai dit, et qui nécessite son attention. Mais il ne faut pas que les gens déforment les faits. Et il faut savoir que le secrétariat du Conseil des droits de l'homme est assuré par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a son siège au palais Wilson et non à l'office, là où se tiennent les conférences. C'est ça aussi, on fait l'amalgame. Le palais Wilson, qui est pratiquement peut-être à 900 mètres du palais des Nations, c'est sur la rive droite du lac Léman, au long du quai Wilson, pour ceux qui connaissent Genève. Le quai et le palais sont nommés en hommage d'abord du président américain, Woodrow Wilson. Et c'est en avril 1997 que Kofi Annan, succédant à Boutros Boutros-Ghali, a fait une demande officielle au gouvernement suisse pour pouvoir établir au palais Wilson le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il ne faut pas faire l'amalgame. Et cette demande avait été acceptée par le Conseil fédéral suisse le 25 juin 1997. Et l'inauguration officielle s'est faite quelques mois après. Plutôt, ce bâtiment est en location au Commissariat des droits de l'homme, avec un taux préférentiel pour en faire son siège, justement. C'est de là-bas donc qu'on dépose toutes les plaintes, contrairement à ce que les gens pensent. C'est là-bas qu'on dépose les plaintes. Ce n'est pas à l'office. Tu as ton badge visiteur, tu vas visiter pour dire, bon, je suis venu ici ou ce. Mais il se déroule seulement, mais le travail se fait ailleurs. Parce que les organes de suivi, qu'on appelle les organes qui ont été institués par les pactes et les conventions, notamment en violation des dispositions de ces instruments internationaux ratifiés par les États, siègent au palais Wilson. Ce n'est pas à l'office. Donc voilà pourquoi il faut préciser les choses. Dans ces organes de suivi, je peux citer le comité des droits de l'homme, je vais revenir sur ce comité. Vous avez donc le comité pour l'élimination et la discrimination raciale. Vous avez le comité des droits économiques, socioculturels, institué en vertu justement du pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels. Vous avez le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Vous avez le comité contre la torture institué dans le cadre de la Convention internationale contre la torture. Vous avez le comité des droits de l'enfant institué dans le cadre de la Convention internationale du droit de l'enfant. Donc tout ça, il faut connaître. Les plaintes, on les dépose en fonction justement de la violation des pactes, de ces instruments. Moi, je veux m'appesantir sur un instrument important, c'est le pacte relatif aux droits civils et politiques. Et c'est celui-là qui nous concerne le plus, puisque aujourd'hui, d'ailleurs, j'interpelle les Congolais, il faut qu'ils sachent, leurs plaintes doivent être déposées au comité des droits de l'homme, qui est composé d'experts indépendants. C'est ceux-là qui supervisent l'application du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Congo a ratifié ce pacte. Tu vois? Et ce comité a pour but donc de promouvoir l'exercice des droits civils et politiques et donc de susciter ainsi de nombreux changements dans la législation des pays, les politiques et les pratiques. Les pratiques, c'est quoi? C'est ce que nous dénonçons tous les jours. Pratiques de torture, détention abusive, et tout ça, par exemple, nous allons revenir sur le problème de disparu du beach. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Quand vous venez, ça vous plaît, vous venez faire la désinformation, ce n'est pas ça. Moi, je ne cite personne. Ceux qui ont dit ça, ils doivent rectifier. Ils doivent s'informer. La moindre des choses, c'est quand même dire, bon,
on appelle un tel, mais en fait, moi, je vais aller à Genève. Quel est le bureau que je vais consulter? Qu'est-ce que je peux faire? Mais je vous ai toujours dit, allez déposer les plaintes. Allez déposer les plaintes. Je vais vous dire, je vais vous lire le dernier rapport. Le dernier rapport. Les rapports sortent. C'est parce que vous ne voulez pas les consulter. Parce que le comité, par exemple, le droit de l'homme, il est là justement, il permet au niveau de l'examen des dossiers d'améliorer la vie des populations dans toutes les régions du monde. Il continue donc de veiller à ce que tous les droits civils et politiques garantis par le pacte international relatif aux droits civils et politiques puissent être exercés pleinement et sans discrimination par tous. Je donne cette référence. Le dernier rapport, notamment CCPR, qui est le code du comité des droits de l'homme, le CCPR /C/QPR/3, vous allez voir qui a été distribué dernièrement, l'original. Hein? On parle de la lutte contre l'impunité. Par exemple, il s'agit du Congo. La lutte contre l'impunité et violation passée des droits de l'homme, conformément aux articles 2, 6, 7 et 14. Et tout ça, c'est bien mentionné. Il ne faut pas faire la désinformation. Il n'y a pas de plainte là-bas. On n'a rien vu. Et d'ailleurs, dans ce rapport que je vous cite là, que je vous ai donné des références, on dit bien, eu égard aux précédentes observations finales du comité, qui sont dans le paragraphe 4 et 8, en particulier dans le contexte des guerres civiles qui ont secoué le Congo de 1993 en 2002, et également aux violences survenues dans le Pool en 2016 et 2017, ainsi que pendant la période de lutte contre le grand banditisme dans les grands centres urbains, donner des informations sur les mesures prises. Vous comprenez? Vous n'allez pas dire que bon, eux, les Nations Unies qui publient ce genre de rapport, ils ont eu les informations, si ce n'est pas les gens qui ont déposé. C'est pour ça qu'on vous incite tous à déposer des rapports. Si vous ne connaissez personne, de toute façon, il y a un formulaire. Je crois que le formulaire, nous l'avons mis dans notre site. C'est très simple. Une fois d'ailleurs, j'étais en communication avec Jean Gwabi, je lui ai adressé le formulaire, voilà comment il faut faire. Pour expliquer ce qui t'est arrivé, ce que vous avez subi, il faut que les Nations Unies soient au courant. Parce que le Congo est obligé de se justifier. Le comité des droits de l'homme, ce n'est pas un tribunal. Parce que le seul tribunal en matière des droits de l'homme, c'est ce qu'on appelle la Cour pénale internationale. Qui juge justement, qui statue sur les crimes majeurs comme crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide, crimes d'agression également. Et les disparitions forcées, exécutions extrajudiciaires, font partie justement des crimes contre l'humanité et même du génocide. Nous allons revenir. Parce que on a demandé à l'État congolais de faire la lumière sur les violations passées des droits de l'homme, commises aussi bien par les forces gouvernementales que par les milices. En particulier les cas de torture, de disparition forcée, d'exécution extrajudiciaire, comme je l'ai dit, et d'arrestation et de détention arbitraire. Donc il ne faut pas faire l'amalgame. Vraiment, ce n'est pas ça qui va faire avancer les choses. On vous dit, vous y allez, renseignez-vous, vous allez déposer votre plainte en bonne et due forme au palais Wilson. C'est le palais Wilson qui reçoit pour ceux qui n'ont pas le modèle d'exemplaire, parce que tu peux le faire sur Internet. Tu déposes, tu signes, tu envoies. Après, eux, ils instruisent, ils regardent, ils vérifient. Et ils interrogent le pays. Ce sont ces différentes procédures. Ne mettez pas en cause ceux qui ont appris, ceux qui connaissent leur domaine. Tu n'es pas médecin, mais tu veux contester un médecin qui te soigne. Voilà. Non, je crois que c'est ça justement la mauvaise foi des Congolais, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à dégommer ça. En tout cas, je tenais à revenir sur cette question parce que c'est très important.
nous disons qu'il faut déposer. N'importe qui peut déposer sa plainte, sa communication. On appelle ça communication. Il y a des procédures. Et toutes les procédures sont ce qu'on appelle confidentielles. C'est vrai, il y a eu un petit changement. Parce que c'est la même procédure. Avant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, avant que ça devienne en 2006, le Conseil des droits de l'homme, il y avait une procédure qu'on appelait la procédure 1503. Mais non, cette procédure a été améliorée. Je ne vais pas vous faire un cours sur le droit international des droits de l'homme. Je vous explique dans ce rapport que je vous parle là, on parle même de ce qui s'est passé sur le cessez-le-feu, cessez-le-feu conclu le 23 décembre 2017, avec les anciens rebelles de la région de Poule. Ça, c'est l'impunité des odeurs des violations graves perpétrées dans cette partie du pays. Pour ceux qui ont besoin de ce rapport, je vais leur envoyer. Le rapport existe, en PDF même. Donc vous ne pouvez pas, on interroge le pays. Et le pays est sommé de répondre. C'est là où nous devons être nombreux en apportant des preuves. Ce n'est pas en racontant des histoires. Ce n'est pas bien ça, ce n'est pas bien. Comment les Nations Unies ont pu être au courant des jeunes qui ont été retrouvés morts au commissariat de Chacona? C'est parce que, justement, nous déposons tous des rapports. Vous doutez aussi de ce que font ceux qui sont à Brazza, les organisations qui sont là. Dernièrement, il y a eu Nzila qui est passé ici avec son rapport. Vous l'avez suivi. Alors donc, vous voulez dire aussi que ce rapport-là n'a pas été pris en compte? Non, soyons sérieux. Ne faisons pas le mal. Tu veux, tu viens, bon, ah non, il n'y a pas de rapport, non. En tout cas, je m'insurge. L'émission d'aujourd'hui, donc, c'était pour introduire, pour dire tout simplement que non, l'affaire des disparus du Beach continue d'exister parce que les Nations Unies ne sont pas convaincues. Je vous dis, si Sassou se maintient au pouvoir, c'est à cause de cette affaire. C'est une affaire qui l'amènera au tribunal pénal international. Et oui, parce que ce qui s'est passé au Beach, c'est un génocide. Je l'ai dit dans le livre que vous voyez là, que je vous présente tout le temps. Je le détaille. Donc la prochaine émission, je vais revenir sur le déroulement justement de ce crime. Comment ça s'est passé? Non, sincèrement, je vous dis, non, soyons sérieux lorsque nous voulons dire certaines choses. Ne venez pas raconter votre vie dans le... Parfois, c'est le mensonge. C'est comme quelqu'un, j'ai appris, quelqu'un qui dira que voilà, j'ai soutenu, plutôt on m'a rédigé la thèse. On ne peut pas rédiger, quelqu'un ne peut pas te rédiger la thèse. Quelqu'un, à la rigueur, peut te relire la thèse comme on relit les travaux. Puisque la thèse, tu es là collé avec ton directeur de thèse. Moi, d'ailleurs, j'ai bénéficié d'une bourse des Nations Unies. Je suis resté 9 mois d'affilée à Genève pour consulter tous les documents des Nations Unies depuis la création de ce qu'on appelait la commission nucléaire. On l'appelait la commission nucléaire avant que ce soit la commission des droits de l'homme des Nations Unies. Donc c'est la première commission qui sera mise en place justement après le procès de Nuremberg. C'était la commission des droits de l'homme des Nations Unies, afin de mettre des textes au point. Et le premier texte qu'on a adopté, c'était la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948. Et à partir de ça, s'est greffé plusieurs autres instruments internationaux. Le pacte international relatif aux droits politiques, civils et politiques, les droits socio-économiques et culturels, et les protocoles additionnel. Après, nous avons eu les conventions contre la torture, les conventions pour l'élimination, la discrimination. Donc, tous ces instruments-là, ils sont sortis de la Commission des droits de l'homme qui, aujourd'hui, depuis 2006, est maintenant le Conseil des droits de l'homme. Et donc, les instruments ont donné des organes de suivi qui examinent et qui font des recommandations. Et c'est pour cela que nous sommes là justement pour faire pression. Là, vous avez suivi dernièrement, la France a été mise en cause.
Israël aussi a été mis en... Mais c'est comme ça. Mais c'est à nous d'amplifier. Lorsque nous déposons plusieurs plaintes, tout, ah, l'affaire qui s'est passée, c'est pas le fait de faire le spectacle où tu viens, ah, mais il s'est passé quelque chose. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, dernièrement, au commissariat qui est vers Météo. Mais personne ne donne les noms des victimes. Mais il faut donner les noms des victimes, on fait, et puis on dépose. Ça ne nous coûte rien de déposer, surtout nous qui sommes là. Ce n'est pas quelqu'un qui vient en touriste avec son badge, il est devant on ne sait pas quoi là pour prouver qu'il est à Genève. Mais Genève, c'est grand. Donc je vous montre le mécanisme. Franchement, pour aujourd'hui, j'ai terminé parce qu'il fallait bien donner des précisions. Pour ceux qui veulent nous écrire, ils peuvent nous écrire. On va approfondir. Mais en tout cas, la prochaine émission, c'est vous parler justement au moment où nous commémorons les 25 ans de l'affaire dite du BIC. Nous devons éclairer les gens. Comment ça commence, les accords qui ont été signés, qui est responsable, qui n'est pas responsable. Et nous vous avons présenté toutes les cassettes que nous détenons de cette affaire, que nous devons également convertir en numérique. Et tout ça, quel est le Congolais qui s'agite, qui dit, ah bon, écoutez, tu as fait, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut faire. Non. Ne faites pas le match vu, vraiment, je vous en prie. Soyons corrects. J'aurais pu vous parler justement de tout le système des Nations Unies, parce qu'aujourd'hui, l'État, pour revenir par exemple à l'affaire du Bich, il faut savoir que même si il y a eu le jugement de la cour d'appel, il y a eu les 15 accusés, ils ont été acquittés. Bon, est-ce que c'est conforme aux dispositions du pacte? C'est tout ça que les gens vérifient. Et nous avons versé un certain nombre de dossiers. C'est pour ça que nous devons suivre également ce film du jugement pour montrer qu'il y a une contradiction. Voilà ce qui s'est passé, voilà tout. Les Nations Unies ne peuvent pas refermer un dossier comme celui-là. Parce qu'il y a eu disparition forcée, il y a eu des actes de torture, il y a eu exécution arbitraire. Il faut le dire. Merci de m'avoir suivi. Je ne voulais pas donner le cours en tant que, comme on dit, professeur. Non, je fais la communication, je veux informer les citoyens pour qu'ils comprennent que tout le monde est impliqué pour dénoncer ce qui se passe au pays. C'est pour ça que certaines émissions qui passent, elles sont encouragées, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est suffisant, c'est également adresser des requêtes. On appelle ça souvent communication. Comment peut-on dire que, voilà, on n'a pas vu les dossiers? Quand tu vas au tribunal, notamment dans n'importe quel pays, tu vas dire, ah, mais il y a eu une plainte ici, vous pouvez montrer la plainte. Mais la plainte, ça passe entre avocats. On ne peut pas te présenter la plainte. Heureusement, d'ailleurs, le système des Nations Unies, on publie justement. C'est ce rapport que je vous ai parlé tout à l'heure. Que pour ceux qui peuvent m'écrire, soit inbox, ou soit m'interroger, ceux qui sont amis avec moi dans Facebook, demandez l'amitié. Je vous enverrai le texte en PDF, tout ce qui a été dit sur le Congo. Nous avons déposé la première plainte en 2016, et c'est bien mentionné, 2016. Nous avons déposé, et c'est ça qui continue. Vous savez, au niveau des Nations Unies, les choses s'empilent, Donc ne pensez pas que voilà, il n'y a rien, non. Vraiment, soyons sérieux. Justement, lorsque j'ai déposé la plainte en 2016, tout le monde le sait, qui a été publié par Afrique Éducation, nous avons bénéficié justement du concours du groupe de travail de communication, c'est ce qu'on appelle communément le comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. À l'époque, le vice-président, c'était Jean Ziegler, que je vous montre sur la photo. C'est lui qui avait réceptionné justement la plainte, qui est mentionnée, parce que les plaintes sont adressées au groupe de travail. Même si vous déposez quelque part, on dit c'est le groupe de travail qui examine,
qui évalue la recevabilité et l'intérêt d'une communication, notamment la question de savoir si la communication considérée séparément ou conjointement avec d'autres communications semble révéler un ensemble de violations flagrantes attestées par des éléments dignes de foi des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on vous demande de déposer tous. Parce que si un seul individu, là, si ma plainte était acceptée en 2016, c'est parce que d'abord, c'est signé de moi, il y a une crédibilité et nous sommes accrédités au Conseil des droits de l'homme en tant qu'organisation non gouvernementale reconnue. Donc, chaque année, le groupe de travail change. Le groupe de travail de cette année, par exemple 2024, il y a un Coréen, il y a un Espagnol, il y a un Brésilien, il y a un Polonais, et puis il y a un Sud-Africain. Voilà. C'est pour vous montrer que le travail est suivi. Le travail est suivi, ne racontez pas des histoires. La première requête qui a été déposée, qui a été même publiée par Le Monde a fait allusion à ça, Le Monde journal. Et pourquoi vraiment falsifier les choses? Parce que une plainte, tant que la violation des droits de l'homme, il n'y a pas eu réparation, la violation continue. Et les Nations Unies se saisissent toujours de l'affaire. On vous demandera, est-ce que il y a eu réparation? C'est pour ça qu'on dit, l'État doit réparer. Est-ce qu'on a réparé sur les disparitions? On a donné des petites sommes, mais en fait, les gens ont menti. C'est pour ça que la procédure qui est pendante à Paris, il faut la soutenir. Et celle aussi, puisqu'il faut savoir que le dossier a été déposé à la Cour pénale internationale, pour ceux qui oublient. Mais la Cour pénale internationale peut ouvrir une information que lorsque peut-être Sassou va tomber, c'est pour ça qu'il a peur de quitter ce pouvoir. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Prochainement, nous allons revenir poser des questions parce que la radio-télévision des droits de l'homme, c'est votre chaîne. C'est la chaîne des droits de l'homme. Ce n'est pas la chaîne de M'as-tu vu où on appelle les gens qui viennent raconter leur vie et parfois des choses invérifiables. C'est pas normal, c'est la désinformation. En tout cas, j'en ai terminé. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. En tout cas, pendant la semaine prochaine, je pense que nous allons continuer sur l'affaire des disparus du Beach. Allez, merci beaucoup. La démocratie en tant qu'idéal vise essentiellement à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, à assurer la justice sociale, à favoriser le développement économique et social de la collectivité, à renforcer la cohésion de la société ainsi que la tranquillité nationale et à créer un climat propice à la paix internationale. La démocratie exige le libre exercice de certains droits, comme la liberté d'expression qui respecte autrui. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs. Radio Forum FM, à côté de l'hospitalier. Passez votre chance et vous aimez bien. Forum FM 105.8. C'est dingue. Moi j'aime. Le pays pauvre très endetté. Les peuples meurent dans la pauvreté. Ce sont les blancs qui nous assistent. Alors qu'on est indépendant depuis 60. Le tiers monde ne sait pas. Il ne fait que marquer le pas. Le tiers monde ne sait pas. Il ne fait que marquer le pas. Gauche, gauche.
toujours à vos côtés. Vous coûtez, vous coûtez, vous coûtez, vous coûtez, on n'en finira pas. Vous coûtez, il y aura toujours à vos côtés. Nous avons des grandes forêts, les enfants naissent sans arrêt, les écoles manquent de tables, les dieux au ciel sont tous coupables. Ils pensent qu'on ne sait pas que la corruption est le repas. Ils pensent qu'on ne sait pas que la corruption est le repas. Écoutez, écoutez. Forum FM 105. Il y aura toujours à vos côtés. Le pétrole, le bois et le ciment n'apportent rien à nos pauvres gens. Ils manquent d'électricité et de l'eau au milieu des fleuves et des ruisseaux. On nous prend pour des idiots. La joie à être heureux tout seul. L'illustre Nelson Mandela Madiba l'avait longtemps compris. Les peuples meurent dans la pauvreté. Ce sont les blancs qui nous assistent, alors qu'on est indépendant depuis 60. Le tiers monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Le tiers monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Gauche, gauche. Forum FM 105.